Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens on va faire un petit 46 km, c'est le trail du Tertre Gris, ça c'est le départ, on a pris la navette, c'était bien sympa et du coup le départ est à 7h30, j'ai vraiment la tête dans le huc parce que du coup je me suis réveillée à 4h30 du matin, c'est génial et là malheureusement il pleut mais je pense que ça va pas durer. Je vais vous emmener avec moi, mais en tout cas c'est bien joli. 2, 1, allez, à tout. Les gens, ça commence super mal. Mais vraiment, tu vois, genre, ça fait qu'une minute qu'on court. Mon truc s'est déjà barré. Voilà. Je sais pas quoi en faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. Tac. Et puis, je vais le mettre je ne sais où. Bon bah dernière de la course. Hein. Ah non. Je l'ai foutu là. À l'arrache. Plan B. Let's go. Ça monte, ça grimpe déjà. Voilà, le départ était tout en bas. Apparemment ça descend bien et après ça monte. Ça monte même très bien. Vas-y. Hein. Ah pardon. Ah, je suis dernière. C'est pas grave, il n'y a aucun souci. Ça fait jusqu'à la fin du. Jusqu'à la fin de l'étape. Ouais. Pendant 46 km. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ça fait beaucoup là, non? Ça, je vais être sur toutes les vidéos. C'est ça. Attends, je suis encore dernière, wesh. Ah, t'es devenue un faible. Faut que j'arrête d'être dernière. Faut arrêter ça. Hein. Allez, je me suis raccrochée au wagon. Plus que 41 km. Voilà. Avec mon petit tracé GPX au cas où. C'est parfait. Allez, kilomètre 10, ça monte et ça descend. Et on a de la chance parce que c'est nuageux. Du coup, on se tape pas le soleil pour l'instant. Donc il fait frais, ça c'est cool. Bon, kilomètre 13. En fait, j'ai envie d'aller pisser, mais il y a toujours du monde derrière moi. Du coup, je peux pas, tu vois. Faut que j'attende d'être solo. Ah bah oui. Oui. Ah oui. Ah, on est content. On est super content. Bah. Oh, ça glisse. D'accord. D'accord. Oh, en plus, il y a des orties, c'est bien. One eternity later. Voilà, 15e kilomètre. Les pieds dans l'eau. On est content. Allez, bientôt 20e kilomètre. Et là, eh ben, j'arrive pas à rattraper les gens de devant. Il n'y a personne derrière moi. Du coup, je fais une course solo. Voilà. Ça ne change pas d'habitude en vrai. J'ai des sensations moyennes. C'est pas foufou. Ça y est, 21 km. 2h14. J'ai l'impression que je fatigue très vite pour rien. Donc, bon. Je continue, mais je sais que un bout d'un moment, je vais être dans le dur. Assez rapidement. Là, ça monte sévère. Ça monte dur. Waouh.
très sympa en tout cas, le cadre très joli. Ça me fait penser au dernier homme debout. C'est un peu ce style là dans la forêt, les petits bois. Kilomètre 22. Voilà, je crois qu'on n'a pas le choix. Faut se mettre dedans quoi. Quel enfer! Oh mon dieu, c'est profond ou pas? On voit rien. Quel enfer. Pourquoi à chaque fois je tombe sur des courses comme ça? Et sincèrement, je fais pas exprès. Non, parce que je vous ai vu dans les commentaires en mode ouais, à chaque fois tu fais du trail, tu t'inscris à des courses et tu te tapes des rivières et tout, mais je fais pas exprès, hein, je regarde pas du tout le parcours quand je m'inscris à des courses. Et très souvent, ouais, je me tape des rivières, de l'eau, tout ça, tout ça. On adore. Kilomètre 25, 3 heures de course. Voilà, j'ai fait la moitié, un petit peu plus. Toujours toute seule, hein. Ouais. Personne devant. Le but, c'est de cumuler des kilomètres et du D+ pour m'entraîner pour le Half Marathon des Sables en Égypte au mois de novembre. D'ailleurs, ma cagnotte est toujours en ligne. Si vous voulez faire un don, n'hésitez pas. Et tant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. C'est gratuit. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, j'ai regardé les analyses de YouTube et de mon compte et vous êtes 50% à visionner mes vidéos mais à ne pas être abonné à ma chaîne. Donc vraiment, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Je compte sur vous, abonnez-vous. Allez, on se retape une rivière. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Faut traverser quoi. Oh là là. Oh. Quel enfer. Mon dieu. Pourquoi je me suis inscrite à ça? Ah là là. Donc faut retraverser là-bas. En gros, c'est ça. Du coup, je vous ai pas dit, mais il y a une barrière horaire dans un kilomètre là. Et faut arriver avant midi. Et là, il est quelle heure? Oh, ça va, il est 10h45. En fait, je vais arriver, il va être 11h, grosso modo. Et j'aurai une heure d'avance par rapport à la barrière horaire. C'est largement faisable. Bon, je crois qu'on arrive au ravito qui fait office de barrière horaire. Du coup, c'est bon. Bon courage, bonne journée. Oui. Là, il y a une belle descente et il y avait une superbe vue. Mais il n'y a plus, le temps que j'allume ma GoPro, il n'y a plus de belle vue. Mais il y a toujours la descente. Je déteste ce genre de descente horrible. Ah, une bonne montée avec des racines. On adore. Waouh, génial la vue. Trop stylé. Ah, on passe par là. Super, je suis ravie. C'est-à-dire qu'on va bien descendre pour bien remonter. Génial. A few moments later. Et voilà, moi j'étais de l'autre côté. Là ça grimpe. Ça grimpe dur. Ça grimpe sévère. Oh, c'était puissant.
super joli. Ouah, je suis morte. Ouah, c'est quoi ça? Ah ouais. Ah ouais, les marches de la mort, quoi. Ouah. Allez, on est au 33e kilomètre. Ah ouais, c'est les marches de la mort, là. C'est comme les marches des géants, quoi. Une autre version, mais ça ressemble. Non mais je suis pas rendue, là. Il y a combien de marches? Ah, mais laisse tomber. Ah, on arrive à la fin. Ah, dur. Toujours personne derrière moi. Le paysage. Ah, il commence à pleuvoir. Il y a 1100 de D+. Et je peux te dire que je commence à les sentir là. Allez, encore des marches. Apparemment, ça s'appelle la grotte Saint-Joseph. Allez, les gens, 39e kilomètre. 4h51. Qu'est-ce que c'est lent. Tant pis. Reste 7 kilomètres. Allez, j'ai pas le temps. Allez, merci. Bon. Je traîne pas trop ravito. Essayez de faire mon chrono. Bon, kilomètre. Je sais pas. J'en sais rien. Il reste 3,25 km. Et ça se corse le terrain. Un peu technique. Oula, tu t'es blessé. Ah ouais, puis en plus sur une... Attention, c'est allez, bon. Merci. Reste 1,5 km, même pas. On est bientôt arrivé. Wow, super sympa. Allez, reste moins de 300 mètres. C'est dur. Oh, vas-y, j'en ai marre. Reste 200 mètres. Oh, vas-y. Ça me saoule. Je vais arriver à moins de 6 heures. Mon objectif secret était de faire la course en moins de 6 heures. Et ça va être validé. Donc ça c'est cool. Je suis contente. Oh. Ouais, vas-y. La flemme. Bon allez. Faire semblant, tu sais, pour l'arrivée, de faire genre que t'es frais. Faire genre que tu sais courir encore, alors que t'es au bout de ta life. Oh ouais, galette saucisse. Oh yes. Oh, j'espère qu'il y a du cidre. Merci. Ah, oh, j'en peux plus. Alors qu'on s'apprête à récompenser les trois premières, il y a 4 minutes du marathon qui vient d'arriver. Bon bah voilà, le trail du Tertre Gris, les 46 km, c'est terminé. Et on se retrouve, je sais pas quand, parce qu'en fait j'ai pas d'autres courses de prévues, mais je vais m'inscrire au dernier moment comme d'habitude. J'aimerais bien faire Pornic, les 10 km de Pornic, je l'avais fait l'année dernière. Du coup, ouais, nickel, ouais. Et donc du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.